m'occupe de l'association Jindou Cinéma. Jindou Cinéma, c'est donc dans le petit village de Jindou, qui est à une trentaine de kilomètres de Cahors, dans lequel s'est développé depuis une trentaine d'années tout un projet autour du cinéma. Alors d'abord autour d'un festival qui a lieu à la fin du mois d'août, et puis ensuite petit à petit d'autres actions qui se sont greffées au fil des années. Et alors aujourd'hui, on était réunis par rapport à l'une d'entre elles qui s'appelle le concours Le Goût des Autres, qui est un concours de scénarios de courts-métrages qui s'adresse aux 12-18 ans et qui est un concours qui s'étend sur les régions d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Donc pour nous à Jindou, ça fait un gros morceau. Et aujourd'hui à la médiathèque, on a montré 6 réalisations qui sont liées à ce concours. Ce concours, on l'a démarré en 2005. Donc au moment où je parle, on en est déjà à la 12e édition. Il s'intitule Le Goût des Autres. Donc la thématique, c'est la question du vivre ensemble. Alors c'est quelque chose dont on débat hein, beaucoup aujourd'hui, ou en tout cas sur lequel on réfléchit beaucoup à l'échelle de la société, et c'est tant mieux. Et donc nous, notre idée, c'était de donner la parole aux jeunes, par les moyens du cinéma, sur toutes ces questions-là. Et donc on a imaginé un concours de scénario pour pouvoir s'adresser, je dirais, à un large territoire, pour pouvoir travailler ensuite avec des jeunes qui sont motivés, et motivés pour porter donc des histoires qui sont appelées à devenir des films. J'ai réalisé le court-métrage « Allez, dégage ». Je l'ai réalisé dans le cadre du concours « Le Goût des Autres ». Et j'ai réalisé parce que c'est une thématique qui me tient à cœur, hein, vraiment le racisme, parce que je le perçois personnellement de jour en jour, parce que j'entends à la télé ou parce que dans la rue, toujours des réflexions. Donc du coup, ça a été un peu un déclic, ce concours. Je me suis dit, je vais le dénoncer. D'abord, je l'écris avec deux camarades. Et puis après, dans l'écriture, il y a un scénariste professionnel qui nous a accompagnés, donc il s'appelle Jérôme Pio. Et puis dans la réalisation, ça a été Alain Struc qui a pris la relève, en fait. Et voilà, c'est un réalisateur professionnel qui est venu sur le projet. Oui, j'ai dû jouer un personnage qui est... Donc on sait pas trop s'il est raciste ou s'il est plus stupide. Mais j'ai dû jouer ce personnage raciste et ça a été assez compliqué, oui, à gérer. Alors il a été réalisé, si mes souvenirs sont bons, 7, 8 et 9 juillet 2016. Donc de suite après l'annonce des résultats du concours, en fait. Et il a été fini à temps pour le Festival de Jindou. Et il a pu être projeté au Festival de Jindou.